Et coucou à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo où quelqu'un va me maquiller. C'est pas moi. Je sors de ma zone de confort. Je sais juste la couleur que je vais avoir, mais je sais pas quoi je vais ressembler. Mais avec quelqu'un de très très spécial. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Où je vous ai peut-être un petit peu parlé sur ma toute première vidéo de présentation. Donc ça date. Et cette personne, c'est l'amour de ma vie. C'est ma fille! Bonjour tout le monde. Ma fille Marie-Laure, qui a 21, bientôt 21 ans. Ouais, Voilà. bientôt. Mon bébé d'amour. Et je pense, ouais, ce sera peut-être pas la dernière vidéo, toutes les deux, je Ouais, je pense pense. pas non plus. Je Donc pense on qu'il va y se avoir de verra. nouveau des vidéos sur ma chaîne. On se verra. Donc voilà. Donc je vais essayer de disposer comme ça. Au pire, tu te rapprocheras, mon cœur. De toute Ouais. façon, je vais le mettre comme ça, moi. Hop là, voilà, moi je suis bien là. Voilà. Et on est bon. Je te laisse faire. T'as tout ce qu'il faut. Ça, c'est l'anticien. Donc c'est celui-là en Fond de premier. teint. Ouais. Allez, bon, si elle ressemble à rien, c'est pas ma faute. Je décline toute responsabilité, celle qui m'a dit oui, hein. Vous êtes prévenus. Ouais, soit celui-là, soit celui-là. Normalement, c'est les deux qui vont bien. Ça va être silencieux, j'ai l'impression. Je sais plus quoi dire, ma mère. Ouais, je me laisse faire, mais j'apprécie. Ça va être à la vidéo ASMR maquillage, hein, les gens. J'espère que vous aimez ça. J'avoue, ça serait une première pour eux parce que moi j'en fais pas, j'aime pas ça. Même ma poulette, elle le sait, elle fait des vidéos ASMR. Je les regarde quand même, mais étant donné que je suis misophone et que je supporte pas les bruits de bouche, c'est compliqué pour moi. En plus, je la soutiens, ma poulette, de ce côté-là, parce qu'elle est douée en ASMR. Ouais, c'est pas un truc auquel j'adhère. Franchement, elle est douée. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sa chaîne, pour aller voir, c'est la chaîne La Rose Noire. Avec une majuscule à chaque mot, il me semble bien, si je me trompe pas. Poulette, tu me corrigeras en commentaire si je me trompe. Je pourrais l'engueuler, t'as ma permission. Ma poulette, elle m'engueule jamais. C'est un amour, cette fille. Là, c'est ma bichette qui va être contente de voir que j'ai ma fille avec moi. Je leur ai tellement, mais tellement parlé de vous que je suis sûre quasiment elle vous connaît sans vous avoir vu. Ah, ça c'est fort possible. Venant de toi, ça m'étonnerait même pas. Oh bah non, à qui je parle pas de mes gosses? C'est ça. Si ton ordinateur, quoique. Non, mais il me répond pas, lui. Oh. Sauf quand tu le menaces de lui casser la gueule. Là, Non, mais ça, c'est il quand il répond. répond pas, ça. Et sinon, mes abonnés, vous allez comment? Avec le déconfinement qu'on va enfin avoir? On a toujours le couvre-feu, mais bon, d'ici normalement en juin, ça va s'étaler plus tard. D'après ce que j'ai vu, je crois que fin juin, on devrait passer au couvre-feu à 23 h. Si je me rappelle bien, oui, je crois, je t'avais dit en même temps. Ça va passer à 21 h et après à 23 h. On verra, hein, de toute façon, on nous empêchera pas de nous voir. Ouais, oh bon, ça c'est sûr. Puis ils ont pas intérêt parce D'ailleurs, vendredi, je vous le dis, mes abonnés, je vais aller voir ma fille au cheval. que. Ouais! C'est mon mari qui m'a en chier pour décroter sa femme et sa fille devant les chevaux. C'est ça. J'ai oublié de fermer les nénés. Mais ça, c'est pas bien. De quoi? C'est pas bien d'oublier de faire les yeux. Après, pour le dessous des yeux, te focalise pas avec le fond de teint lié à l'anticerne. Ah, Tu mais sais, la ça, le petite problème chez dessus. moi, c'est que j'ai les cernes très, très, très marquées. Ça va te faire bizarre alors de voir qu'avec que du fond de teint, on les voit plus. Ah, mais moi, je mets quand même de l'anticerne, ça met un point de lumière. Ça va te faire bizarre, hein.
C'est agréable, tu imagines pas. Non, parce que moi, on m'a jamais maquillée, presque. Prochaine vidéo, allez à combien de pouces bleus on dit? Sachant que j'ai 292 abonnés, donc faut pas. Allez, si on en a au moins 75. Allez, 75 pouces bleus et on refait une vidéo, c'est moi qui maquille ma fille. Alors on leur donne combien de temps? Un mois. En un Ouais. mois, ils sont capables de le faire. Voilà, vous avez un petit mois, puis après c'est moi qui passe sous le pinceau. Hein. Voilà. Bouge plus. Attention, on passe les lèvres. Non, monsieur, c'est pas grave, de toute façon, Roger, il va courir, lui. Le fais quand même. Par la tête. Je me tais parce que tout à l'heure, j'ai bouffé les pots du pinceau. Je crois que ça va te faire bizarre de les faire rendus avec le pinceau comme moi je le fais. Toi qui es habitué à l'éponge, ça va te faire bizarre. Avant, je faisais qu'au pinceau, mais alors depuis que j'ai découvert l'éponge, j'avoue, je préfère l'éponge parce que c'est plus uni, il y a moins de matière, c'est moins épais. Donc tu te regardes qu'à la fin? Ouais. Ok. Ah bah, je me garde la surprise jusqu'au bout, sinon c'est pas drôle. Non, le tissu, c'est vers la fin qu'on le met, je crois, non? Non, moi généralement, je fais ma après le fond de teint. Et ce que je fais, je reprends mon pinceau de fond de teint après pour dire de fondre un peu les deux couleurs. Il dit que ça fasse trop blanc. Alors, faut un petit pinceau, hein. Attends, je vais essayer sans me regarder là-dedans. Anti-cerne. Genre, tu peux prendre celui-là. Celui-là? Ok. Ah, d'ailleurs, les gens, je tiens à vous préciser, bon, vous pouvez le voir à ma tête, hein, déjà, je ne suis absolument pas maquillée. Et ensuite, je ne suis absolument pas habituée à utiliser du maquillage. C'est... L'inverse de sa mère. C'est un Encore peu que je me ça. maquille pas tout le temps non plus. C'est depuis qu'il y a les masques en plus, t'as plus trop la motive pour te maquiller. Ah bah, puis moi, c'est une fois tous les Par contre, tu peux te 40. servir de l'embout-mousse pour le mettre directement là, comme ça après t'as juste à utiliser ton pinceau. C'est parce que j'ai fait, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a l'embout-mousse d'ailleurs. Ah bah c'est fait pour moi, vu la couleur de mes cernes, je suis obligée. Hein. Ah mais là il est trop clair, même par rapport à ton fond de teint, il est... Waouh. J'ai même envie d'utiliser un autre pinceau pour l'étaler, tellement il a... Après, j'ai envie de dire, fais comme tu as envie de faire toi. Hein. Je t'ai dit, ta carte blanche, tu fais comme tu veux. Moi je Je te fais... sors juste les produits que moi j'utilise habituellement. Je te montre juste, bah, comme pour mon bronzer, la teinte que j'utilise. À la hauteur, parce que j'en ai je sais pas combien et puis que j'utilise tout le temps le même. Donc toi vers la caméra, histoire qu'ils me disent un peu comme c'est. Oh, c'est pas si mal. On va dire, pour un débutant qui n'a jamais maquillé quelqu'un. Alors, ensuite, c'est la poudre, je crois, non? Ou c'est à la fin la poudre? Oh, j'ai même pas sorti. Donc après, je sais qu'avec ce fond de teint là, t'es quasiment pas obligé de poudrer. Mais si tu veux poudrer, je peux te la sortir. Parce qu'elle est dans le tiroir. De toute façon, c'est une poudre translucide, moi, donc. Non, c'est bon. Alors, on commence par quel bleu? Bah tiens, bah, je vais commencer par montrer les palettes, je pense. Donc, voilà, on a celle-là. Vous verrez un petit peu les couleurs qu'on va utiliser, mais ça va être un peu toutes les mêmes teintes, mais voilà. Vous voulez... Ah, mince, ah, tant pis. Et celle-là. Et il y a celle-là. Bon, c'est absolument pas de la marque, hein. C'en est une que j'ai à moi, normalement. Non, mais là-dessus, tu verras, j'ai des abonnés géniaux. Je leur ai montré des palettes en précisant que c'était des fausses. Beaucoup m'ont dit, des fausses, on s'en fout, tes palettes, elles sont trop belles. Voilà. Alors là-dessus, j'ai des abonnés en or.
S'il y en a qui se demandent où j'ai acheté celle-là, si jamais vous trouvez qu'elle est plutôt jolie, j'ai trouvé à Super U. Voilà. Et il y a un dragon, je ne vais pas montrer. Je crois pas. Et il y a celle-là. En même temps, je la connais, c'est l'envie dans ma vidéo. Où je vais présenter toutes mes palettes. Alors, on va commencer les yeux. Je vais pousser les gros pinceaux parce que je pense pas en avoir besoin. Si t'en as plus besoin, mets-les dans le verre. C'est où il y a le petit. Ouais, effectivement. Hop. Moi, c'est mon gobelet où après, hop, quand je descends, je les lave. Alors, je vais essayer de laisser les palettes un peu toutes ouvertes comme ça. Moi, ça me permettra de me repérer un peu où j'en suis, dans laquelle je suis, etc. Si elles veulent bien, j'ai pas l'impression. Entre parenthèses, mes abonnés, je suis sûre que vous allez la redemander dans les vidéos, ma fille. Elle est géniale. Encore mieux que sa mère. J'ai jamais tourné de vidéo. Hein. S'il y en a qui croient que j'ai l'habitude de tourner des vidéos, c'est pas le cas. Hein. Ah mais t'es comme ta mère. Moi, la première, j'étais flippée, j'étais stressée de ouf. Mais alors après, c'était naturel. Et ça me fait un bien depuis que je le fais, mes vidéos. Bah écoute. Voilà, ils le savent que je suis moins présente parce que je suis tombée accro dans le diamond painting. D'ailleurs, j'ai converti ma fille. Ça n'a pas été bien difficile, je l'ai déjà. Non. Alors, hop là. C'est à peu près bon. Commence toujours par le plus foncé, hein, il me semble. Il me semble que c'est ça. Hein. Non. C'est pas plus clair qu'on commence. Normalement, tu mets une couleur de transition pour unifier un peu la paupière. Donc, normalement, c'est plutôt couleur peau. Bah après, tu fais comme tu veux. Mais généralement, non, tu commences par le coin interne, donc clair. Foncer vers l'extérieur. Et après, moi, c'est comme ça que je procède. Hein. Et généralement, au milieu, bah, je mets ma colle à paillettes et après, je mets des paillettes, justement. D'accord. Soit au doigt, soit au pinceau, selon les paillettes. Mais généralement, tout ce qui est paillettes et fards métalliques, ça va mieux de les poser au doigt qu'au pinceau. C'est du bleu que tu as mis si près du coin de l'œil? Non, non. C'est le blanc? Oui. Mais c'est le blanc, normalement, on m'a crié. T'inquiète. Mais c'est vrai, j'ai dit, je te laisse faire comme toi tu veux. Voilà. Donc tu te tais et tu subis mes coups de pinceau. S'il manque un œil, hein, c'est pas de mon foutre. Ça va, je suis douce quand même. Hein. Je suis certainement plus douce avec mon pinceau que toi avec les tiens. Hein. Oh, ça dépend. Alors, faire sur moi, c'est une chose, mais comme faire sur les autres, c'est l'angoisse pour moi. Moi, quand même pas. Ah, si. Peur que la personne soit pas contente de ce que je fais, peur que ça lui plaise pas, ou si, ou ça, ou me foirer. Mais moi, ça stresse, t'imagines même pas. Hein. Non, effectivement, je n'imagine pas. Vaut mieux pas. Mais toi, tu connais ta mère, hein, je suis stressée comme c'est pas permis, moi. Effectivement, ça, je confirme pas. Putain. Une arbalète qui est constamment tendue pour te péter à la gueule. C'est toi le téléphone. Il n'y a personne. Ouais, occupé. Je vais les rappeler plus tard. Si ça se trouve, ta soeur va voir la vidéo. Bah écoute, pourquoi pas. Au cas où, ma chérie, si tu passes par là, maman te fait des gros bisous. Exactement, t'as tout compris. Et je précise que je parle de ma fille Océane. Voilà. Pour ce qu'à la dernière, ça sera Joker si je veux pas être méchante. Désolée, je parle un petit peu moins d'un coup, c'est parce que je me concentre. Pour essayer de pas faire de. Comment ça fume? Non, je fume pas moi. C'est pas moi qui fume. Non, c'est moi. C'est ça. Et tes grands-parents, ils vont jamais sur internet. Ils savent pas ce que c'est. Ah bah tant mieux. Alors. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas l'utiliser. Alors tant mieux, moi je suis tranquille. Je fais ce que je veux sur internet, ils ne le savent pas. Ta grand-mère, elle voudrait checker si elle savait que moi je fais des vidéos sur internet. Elle le sait, mais elle s'en fout. Ouais. Oui. Même pas été choquée quand elle l'a su. Un petit peu, mais pas plus que ça.
On a pris un ultra fin, comme ça, je vais faire ce que je veux faire. Si, ça va bien se mettre dessus. Si c'est comme un liner que tu veux faire, attends, je regarde pas. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, mais je regarde pas la caméra surtout. Mais j'ai des liners pailletés là. Et j'ai un bleu d'ailleurs. Si tu veux essayer voir ce que ça donne, je ne les ai jamais essayés moi. Et c'est sur ta main avant d'essayer sur les yeux, comme ça tu verras. Ouais. Et il y en a un bleu plus foncé là. Merci. Voilà, je ne touche pas. Je ne regarde pas. J'espère pour toi. Ah non, non, non. Il ne veut pas marquer par-dessus. Donc on va essayer au liner. On va prendre le bleu foncé parce que c'est ce que je veux faire. Ouais, pareil. Un petit peu, mais pas beaucoup. Après, ce que tu peux faire des fois, ouais, ce que j'allais te dire, c'est, regarde-toi, tendre la paupière comme ça peut mieux marquer des fois. C'est pas mal. Alors, next. Tu le fais toi le ras de cils inférieur après ou pas toi? Quoi? Là? Le ras de cils en dessous en fait, c'est pour faire un raccord de couleur mais en le raccordant bien ou. Je fais que le coin en principe. D'accord, tu le fais comme tu veux. Même pour pas déranger. Pas trop de chute. Un petit peu plus sur celui-là que sur l'autre. Si des fois tu as besoin de temps en temps que j'ouvre pour que tu te rendes compte, tu me le dis, hein. Ou un coup. Me
détester ma mère, j'utilise un pinceau par couleur. Oh, non. Oh, tout seul à laver. Oui, c'est pas faux. Je te montrerai comment je fais en plus. Quand on aura besoin de la colle à paillettes, tu me diras. Hein. Je pense pas en avoir besoin. Tu mets pas des paillettes au milieu. J'ai pas des paillettes. Non, puisque le doré que je vais utiliser, il n'est pas vraiment pailleté en fait. Oui, métallique. Ouais, voilà, il est plus métallique que. Après, ça l'a fait plus ressortir. Parce que les métalliques, généralement, ils vont mieux à poser au doigt qu'au pinceau. Ce qui est métallique, monochrome, paillette, généralement, c'est là où elle se pose le mieux, c'est au doigt en fait. Je crois que mes abonnés m'ont jamais vu aussi calme. Je suis sûre. Ce qu'ils doivent leur manquer, c'est mes wall actions. Je suis limitée à 10 km, les gars, jusqu'à lundi. Vous inquiétez pas, vous en aurez bien assez après. Ouais, mais bon, après, c'est le portefeuille qui suit plus, là. Faites de la pub, les gens, on gagnera plus de sous. Oui, surtout que je suis toujours pas rémunérée sur ma chaîne, donc là, on peut pas dire que je fais des vidéos pour me faire l'argent, pour le coup. En plus. Non, il faut, je crois que c'est minimum 1000 abonnés, je crois, pour être rémunérée. Putain. Donc j'en suis encore loin. Vous avez du boulot, les gens, faites de la pub. Non, là-dessus, mes abonnés, ça, c'est vraiment des vidéos qui me font plaisir, qui me font du bien, surtout. Elle m'aide un peu plus à m'accepter et à moins méchante envers moi. C'est ça. Tais-toi. Je t'ai pas demandé ton avis. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Il faudrait que j'arrive à le faire avec quelque chose, mais. Je vais essayer avec ça. Mais juste en disant en fait ce que j'ai mis sous les yeux, ça me dérange, parce que ça fait moche. Bah, tu prends sûrement le pinceau à fond de terre ou anti-cerne pour remettre à part. Ouais, pour l'instant, je vais essayer de l'enlever parce que sinon, ça va se voir dessous. Donc, ça est facile, on peut y rouler autour du doigt. C'est plus pratique. Ce qu'on aurait dû faire en fait, même moi je sais même pas si je vais pas utiliser la technique. Tu sais, c'est juste faire les yeux, genre avec l'anti-cerne, un truc comme ça. Faire les yeux et après faire le teint. Oui aussi. On va reprendre. Mais moi comme je fais mon ras de cils inférieur, c'est chaud quoi. Il faut des choses mon ras de cils inférieur après en fait. Je vais pas reprendre un aussi gros, je vais reprendre un plus fin parce que c'est plus précis ce que je veux faire. En tout cas, chez Copain Soit des yeux, t'as vu, il y a toutes les tailles. Hein.
Oui. Pinceau plat, fluffy, biseauté, tout petit, tout fin, pinceau boule, j'ai de tout. C'est ça. Mais encore, hein, pour moi j'en ai pas assez. J'aime assez de pinceau, c'est toi qui le dis ça. De toute façon, ouais. Toute nana qui aime le make-up, de toute façon, on est toutes pareilles à se le dire. Les pinceaux, on n'en a jamais assez. C'est ça. Généralement, tu prends toujours les mêmes, mais t'en as jamais assez. C'est comme les palettes, hein. T'as plus de palettes que t'as d'yeux ou pour t'en servir, mais. C'est comme pas mal du soir. Mais t'en as pas assez des palettes? Bah non. Regarde en l'air plutôt. Merci. Mais j'ai plus de bouteille là sur ma coiffeuse. T'as que des bouteilles de produits? Non mais d'habitude par là vers les brumes ou je sais pas où par là j'avais une grande bouteille de cristalline. Non, n'a plus. À sec. Putain. Il n'y a pas que la bouteille qui est à sec à ma bouche aussi. On va voir. D'autre côté, on en court dans l'air. Hop là. Bien dans l'air. Ouais, ça va. Bon, vraiment que je mette de la poudre pour masquer ça parce que pas possible. Attends, alors je baisse la tête pour ne rien voir. Mon poudre, t'as le choix, t'as soit celle-là qui est translucide, soit j'ai la même qui va avec le fond de teint. Je vais plutôt prendre celle-là alors. Vas-y. Voilà. Sinon, je te vois, je te disais que je t'ai donné l'autre. Peut-être que j'essaye plutôt la mienne sur toi. Celle que Je j'ai sais pas en si ça plus fasse claire. trop foncé. Ah, elle est plus claire la mienne. Hein. Oh, excuse-moi. Voilà. Alors. Donc sur celui-là, il manque un machin chouette. Tiens, attends, il est où le. Si tu peux me diriger ma main vers le pot pour les pinceaux à teint. C'est celui-là. Alors, tiens, c'est un pot, généralement, c'est les tout grands, là, ceux-là. Ouais, je m'en doutais un petit D'ailleurs, peu. dans le lot, attends, c'est lequel? Celui-là, c'est le multicolore corne ou non écaille. C'est ma. Un peu effet sirène. Ouais. Ma poulette qui me l'a offert dans notre dernier swap, celui-là. Nice. Tu sais quoi, ma poulette? Je ne sais même pas si je regarde au bon endroit, moi. Si, si. Eh ben, on va utiliser le tien, ma poulette. Comme ça, je pourrais te dire s'il va bien. C'est ça. Enfin, ma fille pourrait te dire s'il va bien. Oui. Attends, je pose où? J'y vois rien du tout, Je moi. vais le laisser dans le pot. Voilà. Comme ça, je suis sûre que J'ai j'en ai même pas mon embourré. petit en plus qui doit être dans les autres. Oui, j'ai déjà utilisé. Ah, ben voilà. Voilà. Comme ça, c'est fait. Regarde dans le tiroir. Attends, il y a mon meuble là. Regarde, tu vois au bout il y a un truc en coquillage là. Et ben c'est un petit miroir que t'as avec. Et le truc pour laver les pinceaux en forme de queue de sirène que t'as vu dans la salle des bains. Et ben c'était tout dans un kit comme ça que ma poulette aime refaire dans notre shop. D'accord. Alors, on va faire là. Pour le mascara, tu penses arriver à me le mettre ou. Je te laisserai le mettre. Déjà sur moi je galère, alors j'imagine même pas sur Surtout quelqu'un. que moi je mets deux couches. En plus, essaye de faire comme si tu t'avais les yeux étonnés. Voilà, merci. Plus facile comme ça d'un coup. Tu vois le compteur au-dessus de l'écran, combien de temps on en est? 30 minutes. Oh bah ça va. Ils ont de la chance avec toi. Moi quand c'est moi, la vidéo elle fait 1 heure.
Mon avis, déjà, moi je suis là. À mon avis, je suis pas prête de me voir comment je vais me voir. Voilà, papa, il va avoir un chat, à mon avis. Pour l'instant, ça va, je suis plutôt satisfaite de ce que je fais, mais à mon avis, vous allez trouver ça horrible parce que c'est vraiment du truc de débutant. Hein. C'est le premier tuto. Et puis en même temps, regarde, je suis pas maquilleuse pro non plus. Hein. Je me débrouille à force de voir des tutos et tout ça, mais ils savent très bien que je suis pas maquilleuse pro. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai fait une vidéo de tuto maquillage, mais c'est avec mes techniques à moi, ma façon de faire moi. Hein. Tout le monde a des techniques différentes. Hein. Un autre qui fait du bruit. T'as déjà faim? Pardon, j'ai soif. J'ai pas faim, j'ai soif. Une pause après, comme ça on ira boire un coup. Bon, ça va, je vais pas aller loin, moi. Oui. À ma table de nuit, j'ai de l'eau. Voilà. En plus, t'as pas de miroir dans ta chambre. Sympa. Si, celui, il y a les papillons, mais bon, je vais pas aller voir après. Je t'ai dit que je gardais la surprise, je vais pas aller voir. Hein. Le problème, c'est si je fais pause, ma vidéo sera en deux parties. Ouais. Parce que je ne maîtrisais encore pas les sites de montage. Bon, après, c'est pas compliqué non plus, hein. C'est tu arrêtes un moment, puis tu en as un autre, quoi. C'est juste. T'assembles deux vidéos, en Si fait. le week-end prochain, t'as rien de prévu, on peut se mettre à deux et puis regarder. Hein. J'ai une vidéo dans mon téléphone qui peut faire le test de vidéo Donc. test. T'es mouillé. En blague. Que je rajoute une pincée de machin chouette. C'est pas mal. Je suis en train de retourner tout le bureau. Alors, c'était pas celui-là. Mais par ça, psychologiquement, je vais tomber du rouleau. Ouais, c'est un peu le bordel, mais au même endroit, donc ça va. On va pas bouger. C'est quel de pinceau mais piquant sous l'œil. Il y a des poils un peu plus durs que d'autres, je pense. Je l'ai fait pour qu'il soit dur, donc c'était justement pour ça que je l'ai pris. Ignore-le un petit peu. Quand je vais l'ignorer, c'est lui qui me rappelle qu'il est là. Pire, j'ai rien d'autre de plus à rajouter en fait. Ouvre les yeux pour voir. Ah, c'est joli. Ah, franchement, je suis plutôt fière. Pour ce qui est bronzer, blush, highlighter, tu vas savoir le poser ou tu préfères que je le fasse? Blush, c'est là, je crois. Là, généralement, tu mets le bronzer, blush à peine plus haut et l'highlighter plus haut. Tu préfères que je le fasse? Ouais, mais mettre juste du blush alors. Pas les Bronzer, autres. bah, l'highlighter, si ça donne un point de lumière ici, ça éclaire là, là et là. C'est les points où c'est indispensable pour.
Bah pour l'instant, Donc pour moi, c'est je bon. peux mettre le reste, la Ouais. finale. Comme ça, je me vois en même temps. Oui, tu Et peux te alors, regarder. attends. Moi, c'est toujours. Moi, ça va, c'est pas le gros bordel encore. Ah ouais, putain. Ah, ça me change. Ah oui, putain, c'est pas vilain du tout. Waouh. Ouais. Attends. Je suis perturbée là. Je sais pas ce que vous en pensez, les Ah, mais ça me gens. change, mais moi, j'aime bien. C'est. Ça me sort vraiment de ma zone de confort là pour le coup. Bah puis en fait, vu qu'à la caméra, en fait, tes yeux rentrent foncés, c'est ça éclaire en fait. Non, bah même dans le miroir, hein, moi je. Non, ça me choque pas, ça me. Je trouve ça me. De fou. Puis t'as vu au niveau fond de teint, franchement, c'est le même rendu qu'à l'éponge, hein. Comme tu peux voir, c'est bien de base. Ça va, t'inquiète. Juste plein de pinceaux à mettre. Ça par contre, il était où? Celui-là dans une palette? Oui, je sens que celle-là. Non. Alors non. J'ai dû le prendre quelque part, je ne sais plus où. Alors, s'il était dans Bah, une ça palette, serait vois pas étonnant laquelle. parce que j'ai jamais de. J'ai... Alors, il était dans les pinceaux là-bas. Ah, celle-là. Ah, si, oui. Ouais. Je remets-le dedans, celui-là. Je... Bah non. Ah non, il Bon, moi, dépasse. c'est qu'il était là-bas dedans. Parce que les seules palettes que j'ai utilisées sont De là. toute façon, Allez. ça, moi, généralement, je m'en sers pas en plus. Bah, en plus, je m'en suis servi, mais pour ça. Ouf. Non. Il va aller là, je vais pas me casser la nénette. Alors, De ça, base, j'ai pas mis la poudre que je pourrais mettre. bon, après, c'est toi qui juges. T'as bien les goûts ou pas alors? La poudre. Oui, non, non, oui. Bah, j'ai l'habitude d'en mettre, mais je pense. Bah écoute, moi le teint, je le trouve bien comme ça en fait, quoi. Ni trop clair, ni trop foncé. Pour moi, il est bien, il est nickel. Je vais quand même en mettre, Comme tu mais veux. je vais peut-être plus voir sur la mienne. Alors, je me pense que. Celle-là, c'est celle que tu m'as donnée. Je vais utiliser celle-là. Je vais utiliser celle que tu m'as donnée en fait. Ouais. Ouais. Regarde, regarde l'effet bonne mine que ça donne. T'as vu? Et ça fait naturel. Et encore avec le. Oh, putain, c'est ce qu'on aurait pu faire, c'est ça. On aurait vu mieux ce qu'on dit. Bah, puis au moins il n'y a plus l'effet le contre-jour au moins. Ouais. J'aurais dû faire ça dès le début, t'aurais peut-être moins galéré, mon cœur. Oh, ça va, je m'en suis bien sortie. J'ai quand même des bons yeux, ça aide. Oui, je vois ça, ouais. Bon, tu vois, c'est ce que j'adore, ça fait effet rosé, mais ça fait pas trafiqué. Ça fait naturel, en fait. Peux te donner, j'ai mis le pinceau. Donc, ça, c'est mon pinceau à la hauteur. Un des deux. Non, c'est pas celui-là. C'était l'autre. Ouais. T'en mets pas au niveau des joues, hein. Ah bah t'aurais dû me dire ça avant parce que du coup tu vas remettre du blush, moi. Non, t'inquiète, je vais essayer de faire le contour, mais en passant légèrement dessus pour. Elle sent bon cette poudre. Ah oui, c'est vrai que celle-là, par contre, Ah elle c'est sent L'Oréal, hein. super bon. Ah je te dis, moi L'Oréal, ils sont en train de conquérir mon cœur sur plein de trucs. Hein. Bah mon anti-cerne, mon fond de teint, ma poudre, Tente légèrement vers moi. rouge à lèvres, mascara. Je t'ai éternué en plein de poids. Hein. Elle sent bon, je te croirais qu'elle est parfumée. Moi, ça sent le bébé. Je suis désolée, sans. Bon. Pour moi, ça sent le bébé.
Premier coup, je vais me mocher, je vais moucher de la poudre. C'est bon. Ça change pas beaucoup. Si je vais remettre juste un tout petit peu de blush. Par contre, là, pour le coup, tu vois, avant d'y toucher, là, je trouve que par contre, ça a foutu du vert partout. Là. Enfin, du bleu-vert. Ah oui. Pour le coup. Attends. Voilà, regarde. Ne me dis que je t'embrouille. Oh, mais t'es plus doux avec tes pinceaux que moi. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir 50 000 pinceaux comme ça, sauf pour faire de la peinture. Dis-toi que j'en utilise moins pour la peinture que pour maquiller, moi. Je me retenais du contraire. Bah ouais. Ouais. Nickel. Celui-là, mon blush, est chez Makeup Revolution. Je l'adore. Et dire que j'ai trouvé le matin du premier coup chez eux. Je n'ai pas essayé 50. Ça a été celui-là, le bon du premier coup. Attends, peut-être mis un petit peu beaucoup de ce côté-là. Ouais, c'est mieux. Mais par contre, fais pareil de l'autre côté du coup, parce qu'autrement, il est moins étalé. C'est mieux. Voilà. Wow, on le voit pas. Vas-y. Tu sais, il se voit. T'as le potiné. Je vais te le mettre où je pense le pinceau, ma fille, toi. Ça va te faire tout drôle. Je vais convertir ma mère au bleu, hein. Je vous le dis. Moi qui ne le vois pas, hein, je crois. Oui, totalement oui, parce qu'à la caméra, ça se Oui, voit. mais enfin, normalement, je prends un plus doré, un plus rosé que ça. C'est selon l'orientation de la lumière. Puis moi, faut se La remettre. garde plus sur la caméra, à la limite, hein, parce qu'il se voit bien. Hein. Le nez, ça se voit. Oui, ça se voit clairement le nez. Je crois que j'ai mis l'ampoule au bout du pif. Ping. Et je t'assure, il n'y a que toi qui le vois pas parce qu'il se voit. Hein. C'est bien. Ah, c'est bien. Ça, c'est bon. J'ai rajeuni ma mère de 10 ans. Avec le bleu. Attends, viens voir, je vais ranger au fur et à mesure. Je connais la tuque du rangement. Hein. Là, ça doit. Attends, il y a un miroir dans celle-là de palette. Oui, il me semble. Non. Non. Ça là, non, c'est sûr qu'il y en a. Je ne vais pas descendre, hein. Tu auras les cils de malade qui me fait celui-là. Ah, c'est bien parce que ça va bien aller du coup avec le bleu foncé que j'ai mis. Ah, ça va super bien. Et je suis qu'à la première couche. Ouais, en maison qu'une. Non, non, la deuxième, ça va un peu plus les étirer encore. Les recourber. Bon,
suis mis au-dessus. Oui, c'est ce que j'ai vu. Silence radio. Quand je mets mon mascara, mais ça vaut mieux. Vous pouvez voir les grimaces de ma mère quand même. Ton géniteur qui avait le chic quand je me maquillais en voiture. Quand je me mettais le mascara de fil un coup de frein, combien de fois je me suis pris la brosse dans l'œil? Ah, puis ça fait mal en plus. Alors ça, je te confirme. Aïe, aïe, aïe. Vous me direz ce que vous en pensez, les gens, dans les commentaires. Si vous aimez bien ou pas. Autrement, vous avez le droit d'en rire. Regarde, laisse une couche comme quoi ça a rien à voir. Et j'ai pas remis ma brosse dans le truc. Hein. Voilà. Ah, mes yeux, c'est de la tuerie. On va jeter mes yeux comme ça. Alors, par contre, en rouge à lèvres, je vais mettre quoi? Ah oui. Ouais, j'irais quelque chose de plus discret, plus neutre. Plus clair. J'ai pas plus clair. T'as pas plus clair? Ah non. Pour moi, c'est déjà archi clair, ça. C'est ça ou du rouge ou du violet, alors. Bah, t'en as dans les tiroirs quand même maintenant. Ouais, mais c'est des mats. Ceux-là, ils sont mats, mais hyper confort. Ah, celui-là, il sent pas pareil que l'autre. Il sent le caramel, le bonbon. Non, mais il me rappelle une odeur de peinture que j'aimais bien, laquelle je ne sais pas. Non, vous en pensez quoi, les gens, sérieusement? En plus, la couleur du rouge à lèvres va venir faire un raccord avec ma robe. Pour le coup. Pense à quoi, mon bébé, que t'as l'air fixé quand même dans tes, comme ça, dans tes pensées. Je réfléchis. Ah. Ah, est-ce que j'ai bien travaillé ou pas? Ah, franchement, oui. De toute façon, tu vas bien voir ce que va te dire papa. Hein. Ouais. Soit il va se la jouer gentil, soit il va se la jouer. J'aime bien te piquer. Pour ceux qui se poseront la question, j'essaierai de vous répondre dans les commentaires ce qu'il aura dit. Voilà, je sais pas si ma mère elle vous répond aux commentaires, moi je le Ah, fais. si, toujours. Je réponds toujours à mes abonnés. Tous mes commentaires, il n'y a pas un commentaire où je réponds pas. S'il n'y a pas spécialement de réponse attendue, je mets un petit cœur. Mais
Attends, merde, j'ai perdu mon truc. Quoi non? Une enveloppe, elle est là. Il y a trop le vent. Ça sent bon. En même temps, vous me direz, les gens, à part certains rouges à lèvres qui puent, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas beaucoup de maquillage en fait qui sont mauvais. Va la forfouille. Les mardeurs de rouge à lèvres. Ah, tout ce qui est poudre de machin, ça sent le vieux. Ça sent les trucs de vieux. Mais ça pue pas les vieux. Si, ça. Non, mais j'ai pas que les vieux ils puent. Non, si, c'est pas ce que j'ai dit. J'allais dire que les poudres là, ça pue. J'aime pas. J'aime pas le goût de vieux. Donc c'est que les vieux puent. Mais ça sent les vieux trucs, si tu préfères. Peut-être pas les vieilles personnes âgées. Ça sent les vieux trucs qu'on rancit dans un coin. Genre de la poussière, quoi. Ouais, les vieilles poussières qui chient un goût, ça. Manque plus que du parfum. Je l'ai mis ce matin. Ah. Mon cher Jean, jamais ça me parfumait, moi. Non. Bon voilà les loulous, alors vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez et puis minimum 75. Voilà, 75 pouces bleus pour que la prochaine fois ce soit moi qui maquille ma fille. Ouais. Et puis je sais pas, peut-être qu'on va faire une vidéo dégustation le week-end prochain. On va voir si on peut trouver des trucs. Oh, ça va être sympa. Tant que tu me fais pas manger de trucs à la framboise, ça me va. Framboise, poire, citron. Oh mon dieu. Un truc aux huîtres, elle va adorer. Ah non. Ah, pas question. Ok. Eh bien, écoutez, mes loulous, je vous dis à très vite. Et puis, surtout, n'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez une partie 2 où moi, je la maquille, 75 pouces minimum. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Tchou tchou.